Amen, amen, amen. On va savoir ce que Dieu s'attend de nous en 2022. Amen, amen. 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 La trace de, du navire. Amen. You, amen. Dans l'eau. Amen, amen. Il veut étudier ça. Il a fini de passer à longtemps. Les vagues ont fini de refermer. Amen. Quand tu viens 30 minutes après, le bateau là est passé où? Il est passé comment? Passé comment? Tu peux tout voir. Mais la sagesse qui était au temps de Salomon, il y avait loin tous les gens qui avaient la sagesse comme lui. Amen. Il y a un qui a été loin. Et c'est lui qui a su que quand le bateau passe, il y a forcément une trace éternelle qui est là. Amen. Amen. Et c'est ça, un jour, Dieu va compléter, tracer la vie de chacun. Amen. Alors, quand le prophète Branham dit, on doit laisser notre empreinte sur le sable du temps. Chaque personne doit laisser ses empreintes. Si tu es venu, quelqu'un a fabriqué un portable, amen, Samsung, avec toutes les caractéristiques qu'il y a dedans. Amen. Toi, tu viens, tu fabriques le portable Samsung, sans rien ajouter, amen, sans rien étancher. Tu n'as même pas ajouté une empreinte. Tu n'as rien marqué. Tu as seulement recopié. Mais où il vient? Il dit que le portable n'arrivait pas à renverser les photos. Amen. Le portable qui est sur ses smartphones, en te regardant pour tirer photo, on ne peut pas te renverser pour te tirer. Amen. Cette application n'existe pas. Amen. Mais dis-moi, j'ai créé la même chose là. Amen. Mais j'ai ajouté ma propre empreinte. Amen. De telle sorte qu'un jour, qui serait plus sur la terre, quand les gens vont fabriquer des portables qui tirent des photos des gens renversés, c'était moi mon empreinte personnelle. Amen. Père Branham dit, tu dois laisser tes empreintes. Quand tu laisses tes empreintes là-haut, Branham, il a pris le message. Amen. Jusqu'à il a un coup. Toi, tu laisses dans le périmètre que Branham est. Peut-être que le message a fait 10 km. Il y a eu un début et ça fait 10 km. Amen. Quand tu prends le début, tu fais 5 km. Amen. Tu as laissé quelle empreinte? Tu ne seras pas comme Josué. C'est juste, amen. Tu ne seras pas comme Élie. Amen. Tu ne seras pas comme Samuel. Amen. Quand Samuel était sur la terre, il a marqué l'histoire d'Israël. Amen. Tes sentiments, même les gens oubliaient Moïse. C'est juste, amen. Le Philistin venait les attaquer. Ils ont demandé que Samuel soit à eux. Ils ont cherché Samuel. Parce que là, je suis parti à longtemps. Amen. Alors, c'était Samuel qui était garant de tout ce qui est Dieu. Amen. On a Moïse, on a la loi, ça ne peut rien te faire. C'est juste, amen. Amen. Ça a marqué l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi toi tu veux entrer dans le même Moïse et puis tu ne peux pas marquer l'histoire du message? Amen. Dans cette année 2022, tu vas transformer l'histoire du message. Amen, si toi amen. Tu dis ça, amen. Dans ce que Dieu t'a donné de faire, amen. Tu vas marquer quelque chose. Amen. Que les gens n'arrivent pas à voir. Amen. Et toi tu vas voir ça. Amen. La trace de l'aigle, pourquoi on ne voit pas? C'est la parole. Amen. C'est l'aigle qui est en train de se déplacer. Amen, amen. C'est la parole de Dieu qui se déplace. Qui va d'un homme à un autre. Quand Branham a quitté la terre, c'est un aigle. Amen. Ils ont pris l'exemple d'un aigle. Où est sa trace? Amen. Où est la trace de l'aigle? Quand on dit trace, on dit c'est un chemin. C'est un chemin, on va voir le chemin. Amen. Mais depuis qu'on dit nous sommes dans le message de l'aigle, ce même aigle-là, est-ce que tu vois son chemin qu'il y a aujourd'hui? Si tu vois le chemin, tu vas suivre le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Donc tu dois voir le chemin et puis emprunter le chemin de l'aigle. Amen, amen. Mais depuis que l'aigle est descendu et que le message est en train de faire son parcours, amen. C'est pas tout cela qui est le chemin. Amen. Le chemin est sur le rocher. Alors tu dois identifier le chemin. Ça passe d'un homme, l'aigle. L'aigle est en parlant pas d'un homme, il va chez l'autre. Amen. Il est sur le rocher. Amen. Il est dans les airs. Amen. Pour lui, c'est les airs. Amen. Il passe d'un autre, il va de l'autre. Amen. Il est dans les airs. Non, toi, le fils de Dieu, tu es entré dans le message. Amen.
tu vas pouvoir regarder dans les airs, amen, dans l'espace, et puis voir la trace de cet aigle là. Depuis le grand aigle Abraham, quand Abraham a quitté la terre, le même aigle est toujours là. Il continue de s'envoler. Mais il est passé où? Je dois voir sa trace. Amen. Si j'ai eu sa trace, je suis plus intelligent, je suis plus sage, amen, que les gens qui étaient au temps même de l'homme le plus sage, Salomon. Parce qu'ils ont étudié, ils n'ont pas compris. Oh, toi, tu vas étudier, tu vas comprendre la taille de l'aigle qu'on ne peut jamais voir. Ce n'est pas l'aigle naturel. Ça parle de l'aigle en ce temps de la fin. Quand il va descendre là, est-ce qu'on va voir sa trace dans les airs? Dis ta main, ou tu ne peux pas voir ta trace. C'est que toi-même, la même Salomon et son groupe sont mieux que toi. La connaissance est venue pour zéro. Dis t'amènes. Mais la connaissance descend pour te donner les capacités, amen, que Salomon n'avait pas. Amen. 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 Hein? Les gens que prennent la Bible au mot, la Bible a dit, Salomon, tu seras l'homme le plus intelligent, la terre n'aura pas quelqu'un comme toi. Jésus a dit, il y a plus que Salomon ici. Amen. Glory. Est-ce que Jésus n'était pas sur la terre aussi? Amen, amen. Il était 100% off. C'est juste, amen, amen. Maintenant, tu as dit que c'est Jésus. Mm-hmm. Branham aussi, il a prêché, il y a plus que Salomon ici. C'est juste, amen. 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 Alors, donc, ça veut dire que plus que Salomon là, il y en a même aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Amen. C'est juste. Si Dieu peut parler de gloire en gloire, c'est pas la peine. Amen. C'est qu'on a quand même tous des crapauds, on regarde derrière et puis on marche. Elle dit, mais il y a derrière et puis on marche. Amen. Mais si Dieu va en pointu, on va savoir que nous devons aller en pointu. Amen. Dis t'amène. Et la chaleur de Salomon est allée de gloire en gloire. Amen. Mais si tu es pas Dieu au monde, toi-même, tu vas te perdre. C'est juste. Va venir, amen. Amen. Glory. Amen. C'est pour cela qu'il te faut la sagesse. La sagesse pour connaître la trace du serpent sur le rocher. Vous savez, le rocher, quand on regarde le rocher, il est comme les icebergs. Vous connaissez les icebergs? Oui, amen. Les grandes glaces qui se forment au nord du monde. Amen. Quand tu vois la glace au dehors, la plus grande partie est dans la terre. Dites amen. Amen. La plus grande partie du rocher que tu vois dans la terre, c'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer. Ce n'est pas un caillou qui est déposé. Toute sa racine, c'est toute sa grande forme. Et dans la terre là-bas, et c'est ça que tu vois au dehors, et on appelle le rocher. Alors quand tu regardes le rocher, il y a ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Tu t'amènes. Alors les sons cachés sont à Dieu, et les sons révélés sont à l'homme. Donc c'est ce qu'il y a au dehors là que Dieu te permet de voir. Mais plus la pluie descend, ça continue de faire l'érosion. Ceux qui étaient là, au moment la pluie n'est pas encore descendue, ils ne peuvent pas voir ce que toi tu vois aujourd'hui. Tu t'amènes dans la forme du rocher, continue de se faire voir au fur et à mesure. Donc cette pluie, tant que ça descend, on va voir des choses que dans le temps, ils ne voyaient pas. Et dans le temps futur, les gens vont voir des choses que nous, dans notre temps aujourd'hui, on ne voit pas. Dites amen. Non, les gens disent que le Saint-Esprit s'en va avec l'enlèvement. C'est les gens qui lisent la parole comme un roman, un livre, un livre de lecture. Amen. 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 Ça, nous, aujourd'hui, là, peut-être, on ne peut pas nous permettre de prêcher beaucoup chez les gens. Tu sais, parce qu'ils auront l'impression qu'on est contradictoire. Mais ils ne vont pas savoir que c'est dans la parole. C'est juste. Amen. Amen. Hein, donc le Saint-Esprit s'en va. S'en va avec les saints qui sont enlevés. Maintenant, ceux qui vont laisser sur la terre ici, qu'est-ce qui sera avec eux pour travailler? Pour qu'ils vont vaincre Satan. Ils vont vaincre la tribulation. C'est les 16 éléments-là. Et ces éléments peuvent, ça peut venir Satan. Non, monsieur. Le problème qui arrive, on dit la grande tribulation. Parce que ceux même que, autant des catholiques, ils persécutaient les chrétiens de leur temps là. Ouais. La Bible dit, Frère Branham dit, ils avaient l'onction du veau. L'onction du veau, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Qui leur permettait de voir la mort et d'affronter et de vaincre. Maintenant, toi, tu t'en vas à la grande tribulation. Qui est plus compliqué que ce qu'ils ont traversé à l'église catholique. Là, c'est le monde entier. Là, c'est ce que le monde est aujourd'hui. Amen. La prochaine guerre mondiale sera plus monstrueuse que ce qui est passé. Amen. Donc, imagine la grande tribulation où le monde est développé comme cela. Et c'est là, toi, tu vas aller affronter sans l'onction du veau. Toi, affronter à quoi? Amen. Pour l'onction du sacrifice.
Et l'onction du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Là, les gens ne savent pas que ce qui a été, c'est ce que Dieu ramène. Amen. L'histoire là, ce n'est pas nouveau. Amen. Dites amen. Amen. Avant que le Saint-Esprit va commencer le jour de la Pentecôte, il était déjà là. Dites amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui crie à bas père, là, c'est lui qui monte. Depuis la Pentecôte, c'est le Christ qui crie à bas père, c'est lui qui est descendu. C'est-à-dire qu'il est arrivé pour rendre les gens comme Jésus. Mais quand lui s'en va, tous ceux qui vont laisser, il n'y a plus quelqu'un qui sera identique à Jésus. Il n'y a plus d'esprit qui crie à bas père. Dites amen. Les deux oliviers qui vont partir à chose là-bas. En Israël, là, ils vont travailler avec quoi? Ils vont travailler avec les démons. La Bible dit qu'on a tué pendant 3 jours et puis l'Esprit Seigneur va les prendre pour monter. Ils vont monter au ciel. Tout ça, c'est les démons qui travaillent. C'est le Saint-Esprit. Ils vont faire des prodiges. En 3 ans et demi de travail, ils vont marquer la terre. Avec quelle puissance? Alors quand les gens arrêtent de lire la Bible comme un roman, dites amen. Il faut entrer dans la pensée du compositeur. Donc c'est le Saint-Esprit qui est descendu au-dessus de la Pentecôte. C'est l'Esprit qui crie à bas père. Quand l'apôtre Paul a dit, non pas de Saint-Esprit des servitudes. Ben, il n'a pas été des serviteurs. Et les vieilles forces sont des serviteurs. C'est eux l'esprit là qui reste. Mais l'esprit qui est identique à Jésus. Les égaux de Jésus. Où actuellement on vous prêche. On vous dit, même chose comme Jésus. Hein? Même chose nous sommes là. C'est à cause du Saint-Esprit. Et c'est ça qui s'en va. Dites amen. Après nous là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça et puis tu vas dire amen. Tu vas dire que tu te trompes. Amen, amen. L'esprit qui est resté, toi tu n'as travaillé là. Ça ne peut pas se comparer à ce qui était en Jésus. Ça c'est parti il y a longtemps avec l'enlèvement. Amen. Amen. Jésus, on va toucher un peu la partie de l'appréciation du 24 là. Amen, amen. Jésus marchait sur l'eau. Pour aller trouver ses disciples. Amen. Mais. Quand il marchait sur l'eau, ça représentait quoi? Parce que d'abord, pour qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait la pluie. Amen. La terre était formée d'eau, et Dieu a retranché l'eau pour qu'il y ait le sec. Amen. Maintenant, autant de l'eau, autant de Noé, amen. Dieu devait remplir la terre de l'eau. Amen, amen. Pour remplir la terre de l'eau, les eaux des cieux. Et les eaux de la terre se sont croisées. Amen. Sur la terre ici. Amen. Alors il y a eu le déluge. Donc pour qu'il y ait le déluge, il y a l'eau qui quitte dans la terre et il y a l'eau qui quitte au ciel. Mais la Bible dit tout le coup des cieux, toute la Bible, tout ce qui est dans la Bible, tout ça qui n'est pas seulement au ciel, même tous les eaux de la terre, tout montait à la surface, amen. Et ça descendait, et les deux eaux se croisaient sur la surface, et ça inondait toute la terre. Amen. 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 Même tout ce qui est naturel est un type de spirituel. Amen. 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 S'il y a eu un délice naturel, il doit avoir un délice spirituel. Voilà pourquoi depuis que Dieu a commencé à descendre la parole, il a envoyé Moïse. Moïse a envoyé la loi. Il a envoyé les apôtres. Ils ont envoyé le Nouveau Testament. Ça, c'était la terre. Avec tous les autres que la terre contient. Mais Dieu dit, je vais vous faire comme au temps de Noé. Comme ce fut au temps de Noé. Les gens pensent seulement aux gens qui se marient et vous serez mariés. Comme Jésus l'a dit. Hein? Mais regardez. Si on veut rester comme ça là, on ne va pas dans l'enlèvement. Amen, Jésus, amen. Hein, on veut comprendre, comme les gens de Paul, on ne va pas dans l'enlèvement. Même si on veut comprendre, comme au temps de Branham, on ne va pas aller dans l'enlèvement. Amen. Dites amen. 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 Jésus a dit, comme ce fut au temps de Lot, les gens se mariaient, se remariaient, amen. Les gens bâtissaient les maisons. Ainsi sera au temps du Fils de l'homme. Mais Jésus n'a pas dit que comme la pluie est descendue, il a seulement dit le déluge est venu les surprendre, c'est ça. Amen. Mais les indices qu'il a donnés, c'était le mariage et la construction. Amen. Mais on doit savoir que qui nous a ramené au temps de Noé, c'était pour nous ramener l'histoire de Noé. Amen. Il y a eu le déluge, il y aura encore le déluge. Dites amen. Alors Dieu va donner une promesse de quelqu'un qui est là sur la terre, Malachie 4, qui va prêcher.
que la pluie va venir du ciel. Les hommes ont dit, on ne croit pas. On connaît le Nouveau Testament, on connaît la loi. C'est sur ça qu'on croit. Il n'y a pas un nouveau message qui va venir. Il n'y a rien qui quitte au ciel qui vient. Même quand tu parles d'une petite lutte, le petit livre de l'Apocalypse, là, tu ne crois pas ça. Et ils croient seulement ce qui est dans la Bible. Dis amen. Donc c'est les gens au temps de Noé. Ils sont en train de croire seulement ce qui s'est passé depuis longtemps. Comme une histoire. Ils ont vécu ça. On dit Dieu va changer. Il y a une nouvelle chose. Dieu va descendre la chose du ciel. Ils disent qu'ils ne croient pas. Ils sont restés sur l'ancien. Où la pluie quitte la terre et ça arrose la surface. Dis amen. Oh, il y a un Noé qui a commencé à prêcher que le déluge va arriver. Et ce déluge, ça va venir à partir du ciel. Ça va, la pluie va quitter au ciel. Dit amen. Et cette pluie-là est descendue le 28 février 1963. Donc quand le petit livre est descendu, ça veut nous trouver la terre déjà qui est tout le temps arrosée avec la Bible. Dit amen. Donc le petit livre vient trouver la Bible. Et les deux ensemble, la terre est inondée actuellement. Le déluge qui était au temps de Noé, physiquement, est devenu spirituel. Dit amen. Voilà pourquoi c'est le temps des poissons. Quand Branham, il a dit, au troisième bout. Vous savez, le troisième bout, c'est le petit livre qui descend. Ça n'a rien à voir avec les autres. Il dit au troisième bout, il dit, ça serait le poisson. Amen. Le gros poisson. Pour attraper le gros poisson. Le gros poisson vit dans les grandes eaux. C'est juste. Amen. Et il ne peut pas vivre dans les petites eaux de la dune ici. Amen. Quand tu as pas une baleine, ça ne peut pas jamais te trouver ici. Donc quand on parle des grands poissons, comme les poissons qui ont avalé Jonas, amen. Ah, il faut le déluge ici pour qu'il y ait ça. Amen. Dites amen. Alors quand Branham était dans un endroit sec, et que l'ange lui dit, il faut lancer ton filet, et que quand tu as secoué, les petits poissons vont partir, et que c'est le gros poisson, ça va attirer, et que les petits poissons n'étaient pas là, parce que ce n'était pas encore les déluges, c'était les petits lacs, le premier pouce c'est les petits lacs, le deuxième pouce c'est les petits lagunes, donc les gros poissons n'ont pas affaire à ça, le gros poisson aime les grands eaux, qui t'amène. Alors au troisième pouce, où le petit livre de la rédemption descend, ça devient les grands eaux, et maintenant les petits poissons ne peuvent plus tenir, la tension de l'eau est trop, donc ils s'en vont, et les gros poissons se sentent à l'aise. Quand la parole est trop beaucoup, ils se sentent à l'aise. Quand le verset de la parole est là, les gros poissons, ils sont bien couverts. Dites amen. Donc ils ont nagé dans le petit poisson, dans le petit lac. Non, les Branham a dit, les petits lacs, les petits fleuves, les petits rivières, ils sont dedans, ils sont à l'aise. Quand tu vas dans la mer, non, ça ne m'arrange pas. Ici, là, ça m'arrange. Dites amen. Les gros poissons, ils disent, le fleuve ne m'arrange pas. Même si le fleuve là il est très vaste, moi c'est la mer que je veux. Et le jour là, quand le livre de la rédemption est descendu, ça a créé le déluge. Tous les petits poissons vont mourir. Dites amen. Dans cette grande saut, il n'y a que les gros poissons. Et c'est le rendez-vous des gros poissons. Amen. La trace sur le rocher, c'est un serpent. J'ai écouté un chant qui chantait ça, un chant du message. Et ils ont identifié ça à Satan, à l'Antichrist, qui était le serpent qui marche sur le rocher. Amen. Mais nous, on ne va pas identifier ça comme ça. Ce qu'ils ont dit est vrai. Mais nous, on ne va pas identifier ça comme ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas affaire à l'Antichrist. Amen. On a affaire à Dieu. Amen. Si on a connu la trace de Dieu, on est sauvé. Tu vas connaître l'Antichrist, ça t'envoie en enfer même. Depuis que Branham a révélé qui est l'Antichrist, ça ne sauve plus quelqu'un. Amen. Autant de Branham, quand il révélait cela, ça sauvait les gens. Sur place. Amen. Parce que c'était la manne cachée que Dieu était en train de relâcher. Amen. Quand Branham se mettait à la chair, et puis il disait Vicarieuse, Philippe dit, et puis il démonte. Et puis les gens sont là, ils disent Amen, Amen. Ils sont scellés, puis ils s'en vont au ciel seulement. Il y a des milliers au ciel actuellement. À cause de toutes ces plénitudes de révélations que Branham donnait. Mais aujourd'hui, il faut dire. La femme n'a pas mangé pauvre, elle a couché avec son mari. Ça ne sauve pas quelqu'un. Oui, c'est Dieu. Amen, amen. C'est Dieu. Dites amen. Dites amen. Alors maintenant, alors quand le déluge doit descendre, il faut les poissons. Amen. Ils peuvent supporter. Alors le serpent, quand il passe sur le rocher, on doit identifier la trace. Amen. Par le rocher,
c'est la révélation. Amen, amen. Alors chacun marque sa trace sur chaque révélation de la parole. Amen. Alors quand Dieu devient serpent, comme on vous dit ici, vous êtes dit ici, que Dieu m'est devenu serpent. Amen. Amen. Alors quand Dieu devient serpent, parce que regardez les trois. On a pris d'abord l'aigle. On prend le serpent et puis on prend le navire, le bateau. Les trois là, il n'y a pas Satan dedans. Amen. Quand le sage lui regardait, il voyait Dieu partout. Amen. Quand le démon lui regarde, il voit Satan partout. Amen. Quand le païen il regarde, il voit Satan partout. Amen. Tu vois il bout dans ta maison, il faut te dire que c'est Dieu qui est là. Amen. Dis ta main. Amen. Amen. Tu vois serpent, il faut dire que c'est Dieu qui est là. Amen. Dis ta main. Amen. Au lieu de voir Satan partout. Donc quand le sage, il écrit un proverbe, quand il a dit j'ai vu l'aigle, j'ai vu le serpent, j'ai vu le navire, il n'a même pas vu Satan. C'est juste, amen. Quand tu vas dans la nature, tu vois Dieu partout. Amen. Faut être rempli de Dieu. Amen. Tu ne vas pas voir Satan quelque part. Amen. Tout est Dieu. Amen. Même le serpent sur le rocher, c'est Dieu. Amen. Dis ta main. Amen. Quand Dieu devient l'homme, il prend la forme animale, amen, il devient un serpent. Dis ta main. Alors qu'il a passé sur son propre rocher, de toute façon, tu dois identifier la trace de l'aigle dans les airs. Tu dois identifier sa trace aussi sur le rocher. Amen. Dis ta main. Si tu as pu identifier la trace de Branham, où il est arrivé, son empreinte est arrivée, pas ils ont parlé d'empreinte là. Quand Branham est arrivé là, pour que tu marques ton empreinte, il faut que tu le dépasses. C'est juste. Amen. Hein? Amen. Tu es arrivé où Branham est arrivé, donc tu as vu le rocher, Branham est couché là, mais il est parti. Mais la trace a continué, il a parti, que la terre autour du rocher, il est parti. Amen. Alors c'est pas Branham ce qui était, il sait pas. Alors après lui, qui a pris? Amen. Alors Branham a pris, il est arrivé quelque part. Et toi maintenant tu viens, tu marches sur les pas de Branham et puis tu arrives là aussi. Tu n'as pas d'empreinte. Si Jésus ne rentrait pas à Canaan, il n'avait pas d'empreinte. C'est juste. Il devait rentrer à Canaan, quitter le désert. Arriver là où Jésus, Moïse n'est pas arrivé. Dis ta main. Oui. Dis ta main. Amen. Il y a des choses que le pasteur Esaïe va arriver là-bas, que Branham même n'est pas arrivé. On va dire non, pourquoi tu as dit ce que Branham n'a pas dit, c'est mon droit. Dis ta main. Parce que Josué, Dieu a dit à Moïse, tu vois le pays, mais ton pied n'a pas arrivé là-bas. C'est juste. Amen. Amen. Dis ta main. Oh, la terre, c'est la parole. Amen. Il a parlé dans le désert, il a fait tout ce qu'il peut dans le désert. C'était son témoignage. Amen. Mais quand il est arrivé là, il y a un nouveau message dans le pays. Amen. Le message dans le pays là, c'est le troisième pour. Amen. Et quand il voit ça, Dieu dit, tu ne vas pas entrer. Tu vas voir comme Branham a coûté. Amen. Il dit, va monter sur la montagne. C'était un type de Branham. Amen. Amen. Il faut voir quand même. Il est monté, il a vu. Mais le pays est trop beau. Il dit, il est rentré. Dieu dit, tu vas gâter mon affaire demain. Amen. Parce que ton frère vient là, il vient bientôt. Amen. Amen. Lui aussi, il ne va pas franchir le pays. À cause de lui, il faut qu'il ait été sacrifié. Sinon, Dieu pouvait le faire entrer. Amen. Quand la somme n'est pas par deux, Dieu n'est pas engagé. Dis ta main. Oui. Mais quand Dieu voyait que Moïse allait se répéter, amen, et que lui n'a pas entré, il ne peut pas accorder ça aujourd'hui. Donc, quand il voit par deux, que Moïse ne vont pas entrer, amen, quel que soit ce qu'il va demander, il va dire, papa, mais si c'était un seul Moïse, amen, qui n'identifiait pas notre Moïse aujourd'hui, qui ne va pas entrer, Dieu va dire, ok, je te cède, rentre. Dis amen. Alors il n'est pas entré. Alors toi tes empreintes doivent dépasser le désert. Amen. Dépasser le Jourdain. Dis amen. Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Dis amen. Oui. Ça parle de la mort. Dis amen. Oh, la première mort, c'est l'autre côté. Dis amen. Ça c'est l'autre côté où Moïse n'a pas traversé la mer rouge. Mais ici c'est une autre mort. Amen. C'est pas Moïse qui l'a fait traverser là. Amen. Hein? Non, on s'en va au ciel. Alors, le salut est descendu en pagaille, nous tous on s'en va au ciel. Je vous dis toujours que quand on vient ici, ce n'est pas à cause du salut. Amen. On vient à cause de l'enlèvement, de l'immortalité. Amen. Et Moïse n'a pas donné ça. Amen. C'est Josué le physicien. Amen. Il est parti trouver le Jourdain, qui était la mort spirituelle. Il devait arrêter ça sur l'église. Amen. Alors il dit, c'est moi Josué. On va entrer. On a deux âmes différentes. Amen. Pourquoi vous voulez qu'on ait les mêmes âmes? Dis ta main. Amen. Quand Moïse était arrivé au désert, Dieu l'a vu. Tu dis qu'il y a une âme. Où est ton âme, ton bâton? Amen.
Donc Moïse a fait tous ces grands miracles. Il a marqué le monde avec son bâton. Mais quand Josué devait commencer, Dieu lui a donné l'épée. Dites amen. L'épée du roi. Voilà pourquoi quand Branham ouvrait le troisième coup, Dieu devait descendre l'épée. Dites amen. Et l'épée là, c'était pas pour Branham. Quand Dieu descendait, Branham finissait son parcours. C'était pour marquer le troisième poule. Et le troisième poule, Branham dit, c'est pas son point fort. Ce nom va manifester ça en plénitude. Donc quand l'épée était descendue, c'était une autre âme qui descendait. Deux âmes différentes. Moïse qui a le bâton, Josué qui a l'épée. Dites amen. Alors toi, tes empreintes doivent traverser le soutien où les gens vont vivre éternellement. Moïse n'a pas donné ça. Branham n'a pas donné ça. Mais toi, tu vas donner l'immortalité dans la vie des gens qui vont te suivre. Dites amen. Avec l'épée en main, une autre forme de combat. L'ouverture grande de la parole. Le bâton, c'est un petit palabre. Amen, amen. Et les gens disent, mais il veut dire plus que Branham. Il y a un grand petit exemple. Le lavement des pieds que les gens font. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de choses que les gens ont besoin. Hein? Même le corps du Christ qu'on mange. Hein? Le lavement des pieds. Jésus a dit, attends, viens laver tes pieds. Si tu n'as pas tes pieds, tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Maintenant, Jésus dit, le maître. Je suis votre maître. Il confirme. Amen. Dites-vous, amen. Vous savez que je suis votre maître. Et c'est ça, juste que je suis votre maître. Amen. Si vous mangez votre maître et vous lavez les pieds, amen. Vous devez les faire les uns les autres. Hein? Quand les gens ont compris, toi tu as venu t'asseoir. Mm-hmm. Hein? Amen. Et tu as lavé le pied du pasteur. Amen. Et le pasteur lave ton pied. Mm-hmm. Et on fait comme ça. Comme il a dit les uns les autres, le français. Encore une fois, il disait sur le net, il ne faut pas lire la Bible en français. Amen. Il faut lire la Bible en langue du Saint-Esprit. Dites amen. C'est le maître. Voilà pourquoi quand Jésus finissait, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. La conclusion en bas, il disait ça. Amen. Toi, serviteur, tu ne peux pas laver le pied du maître. Parce que tu connais le symbole que ça veut dire. Amen. Le pied là, c'est enlever le soulier. Amen. Et puis mettre un autre soulier. Oui. Le serviteur ne peut pas enlever le soulier du maître. Amen. C'est le maître qui enlève. Voilà pas pour commencer, il dit je suis le maître. Vous le dites bien. Si moi le maître je fais ça les uns les autres. Parce que toi Pierre, tu vas faire pour les autres comme j'ai fait pour toi. Et pour les autres que tu as fait, quand eux aussi ils seront des maîtres, ils vont avoir des élèves, tu vas faire aussi, ils vont faire pour eux. Dites amen. Donc ça dit que quoi? Si on doit faire la demande de pied, je m'assois. Et puis le lave pour toute l'église. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Oui. Il pouvait mettre l'eau et puis Pierre l'avait pour Jacques. Jacques l'avait pour Simon. Ils étaient beaucoup. Tous les apôtres. Tous vous-même, ça fait 13. Il pouvait laver les uns les autres comme vous faites. Quand vous le suivez, suivez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Mais c'est Jésus seul. Et puis pourquoi il mettait la serviette, on dit là, c'est serré. La Bible dit. La ceinture de vérité, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la parole dont est nettoyée, par le Saint-Esprit va arriver. Amen. Comme on a dit dans Enlève ta Jésus, vous connaissez la prédication. Amen, 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 amen. Donc on sait, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Toi, tu peux prendre parole pour laver les pieds de ton pasteur. Non, monsieur. C'est le contraire des choses. Et puis regardez un peu. Ils ont compris le sens littéral de ce que Jésus a dit. Amen. Jésus a dit, ok, moi le Messie lave les pieds, vous aussi faites les uns les autres. Donc c'est l'humilité là. Hein? C'est ça, ils ont compris. Oh, Jésus n'a pas dit c'est l'humilité. Ils ont compris que c'est l'humilité. Amen. Ok. Maintenant, si c'est l'humilité, le frère. Amen. Le frère qui vient laver le pied du maître, il a quelle humilité? Amen. Il a compris quelle humilité là. Amen. Amen. Toi, tu viens laver le pied du révélant. Hein? Le frère, un jeune Saint-Saint-Père, le chante. Tu vas laver le pied du révélant. T'as quelle humilité? Amen. 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 L'humilité, c'est le maître qui descend et qui lave le pied des élèves. Dites amen. Et toi, l'élève, tu dois accepter ça, sinon tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Parce que le maître doit enlever l'ancien évangile, amen. L'ancienne compréhension, les trucs que tes parents ont déposé
les coutumes, le maître, il te fait venir. Donc chaque fois que tu laves les pieds de quelqu'un, tu dois avoir la compréhension spirituelle de ce que tu fais. Puis tu n'as pas la compréhension spirituelle, tu es là mourir toi-même. Alors quand l'apôtre Paul dit ce que l'apôtre Paul a dit, ils n'ont même pas compris encore. L'apôtre Paul dit, si vous mangez le corps du Christ, sans discerner ce qui est le corps, vous envoyez les maladies sur vous. Dans le discernement. Il faut savoir quel parole tu es là à manger. Voilà pourquoi quand je vais dans les assemblées, je ne mange pas le Saint-Seigneur. Amen. D'autres vont voir que ah, tout le monde est passé, que le passé a une mauvaise vie. C'est une erreur. C'est Dieu, amen, amen. Glory. Amen. Parce que tu dois discerner le corps que tu manges. Discerner. C'est ça. Discerner à beaucoup de ceux qu'il a dit là. Amen. Discerner. Amen. Amen. Quand tu viens dans une église, la parole du Seigneur que tu manges, a le sang. C'est quel sang tu manges? C'est le sang des bananes que tu manges ici. Amen. Et tu ne sais pas que c'est le sang de ton pasteur que tu es en train de boire. Amen. C'est Amen. La sang de ton pasteur que tu es en train de manger. Amen. Tu discernes mal le corps du Christ. Mais tu l'as mangé Jésus. Ah. C'est quel Jésus tu manges? Ah. Dis ta main. Vous devez manger ma chair et pas mon sang. Chaque fille de Dieu qui vient sur la terre, les enfants de Dieu qui sont là, doivent manger sa chair et boire son sang. Donc, quand tu viens dans une église, quelle est la révélation que le pasteur a? Est-ce que tu crois ça? Tu ne crois pas ça et que tu es là pour avoir la sincère. C'est un jugement contre toi. Les gens qui sont dans l'église disent, même toute révélation que le pasteur donne, si on ne va pas voir Jim dans la citation de Banyam, je te laisse. C'est pour Branham là, là, même si c'est comment, j'avale. Mais pour le pasteur là, je m'en vois. Si on ne voit pas ça, noir sur blanc. Je laisse. Oh, c'est le sang du pasteur. C'est ça, le sang représente la révélation. C'est le sang du pasteur qui est en train de courir dans l'église. Qui est la révélation que jamais quelqu'un n'a parlé. Et que c'est lui qui est en train de parler, ça c'est son sang. Amen, amen. Donc quand tu dis amen à ça, tu as le droit. Amen. De voir sa sincère. Alléluia. Mais quand il n'y a pas un enseignement comme ça, tout le monde est abruti. Amen. Sur la voix corps de Jésus. Amen. N'a qu'à le Seigneur. Amen, amen, amen. Glory. Alors quand il parle, non, quand on faisait, il se lavait les pieds les uns les autres. Mais c'est ça, on dit ça, le rocher. La pluie continue de descendre. Ce qu'on ne voyait pas, on voit maintenant. C'est juste. Je vous donne un petit exemple. Amen. Autant de Branham, quand il a baptisé les gens, il est à Jérusalem. Et les gens sont à Jérusalem. Amen. Pour baptiser les gens. C'est juste, amen, amen. Maintenant, toi, quand tu as baptisé, je dis, tu vas chercher direction de Jérusalem. Non, monsieur. Branham a descendu la connaissance pour que toi, tu fasses ce que lui n'a pas fait. Amen. Parce que tout n'était pas encore ouvert. C'est juste, amen, amen. Est-ce qu'il y a temple à Jérusalem? C'est quand Salomon a construit le temple, que la ville a construit le temple. C'est ça, il a dit. Dieu vient demeurer dedans. Quand un de tes enfants va être en danger quelque part, s'il tourne sa face vers le temple, amen. Et puis il crie à toi, exauce-le. Amen. C'est ça. Le temple a été détruit. Amen. Dieu est sorti là-bas, il est venu chercher les nations. Quand tu regardes là-bas, il y a qui là-bas? Rien. C'est le vide. Amen. Quand Salomon même te voit, voir ça, il dit, monsieur, là, je lève. C'est le. Non. C'est le si moi-même. Salomon, mais j'étais sur la terre, quand même, c'est Dieu. Pourquoi Dieu, même, c'est sur la terre, vous voyez. Si après que le temple soit construit, et que Dieu est retourné là-bas, donc quand Branham, il regardait là-bas, c'est parce que tout n'était pas encore ouvert. Les gens ont dit, là, tout ouvert. Parce que le petit lui est descendu ouvert. Il y a un peu. Il y a quelqu'un qui disait ça sur le net. Parce qu'on doit marquer les empreintes. Et Dieu a laissé là où Moïse n'est pas arrivé. Pour que toi tu vas arriver et puis tes empreintes vont être dessus. Dieu a fait exprès. Alors si Dieu a dit Moïse, c'est là que tu pouvais dire, mais il ne faut pas dire. Quelqu'un va venir marquer ses empreintes. Lui, c'est son droit qui est là. Et toi tu vois bien que la parole confirme ça. Mais comme Branham a fait le contraire, si Dieu ne dit pas, tu es disqualifié. Amen. Amen. Donc le petit livre est descendu, quelqu'un a dit, c'est Branham qui a brisé les seaux. Donc les seaux sont déjà ouverts et il n'y a plus rien. Que au ciel là-bas, le livre était déjà ouvert. Donc on dit l'agneau qui a brisé les seaux. Donc les seaux ont été brisés et au chapitre 10, le livre est ouvert et puis ça descend. Donc c'est plus fermé. Puis il concluait ça par quelque chose, mais je ne sais pas par quoi il concluait. Puis je lui ai dit,
Mais tu vois mal, mon frère. Lui qui était assis dans les chaises là, lui était fermé dans sa main. L'anneau est venu, l'anneau a brisé, tous les cercles qui fermaient. C'est devenu un livre ouvert. Dans l'Apocalypse 10, c'était ouvert, comme la Bible a dit. Quand il est descendu, il a dit à Jean, faut fermer encore pour vous. Faut sceller encore. Tout ce qui était détaché, Jean est venu fermer. Jean représentait qui? Il représentait Branham, le septième messager. Ça quitte ton ciel, ça descend, c'est ouvert. Nous, on donne ordre à Jean, au septième messager, pour sceller ça encore. Voilà pourquoi, pour que la Bible soit complète, Dieu a dit à Branham, au troisième bout de le petit loup qui est là, descend là, n'explique pas. C'est encore les un secret total. Amen. Pour confirmer ce que Jean, tu as empêché à Jean, Jean a empêché à Branham, donc le livre est encore refermé. Amen. Dites amen. Et on va donner un livre refermé. Alors il faut descendre en bas. Amen. Il faut descendre en bas au chapitre 11 de l'Apocalypse 10. C'est là maintenant, il n'y a plus de totem. Amen. L'interdiction était dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Ne dis pas tout. Il faut tout sceller. Il faut cacher. Amen. Tout s'est refermé encore. Mais au chapitre. Au chapitre 10, le verset 11, quand Jean, qui représentait maintenant l'épouse, il ne représente plus le messager, amen. Le même Jean qui représentait le messager, là, la main, il représente toi et puis moi. Amen. Dis ta main, amen. Qui avons avalé le livre, qui avons marché ça. Amen. La Bible dit marcher, on a marché ça. Amen. On n'a pas avalé, on a marché. Il faut lire l'Ancien Testament, tu vas comprendre. On marche. Amen. Avaler, ça veut dire que tu ne comprends pas et puis tu meurs. Or, nous sommes dans le temps de la connaissance. Amen, amen, amen. Donc, lui qui a mis à avaler là, il s'est trompé. Va dans l'Ancien Testament, tu vas savoir qu'il s'agit de marcher. Amen, amen. Marche le livre. Transforme ça. Amen. Avale. Et puis, prophétise à nouveau. Oui. Sur les peuples, sur les rois, amen. Sur les nations. Ça, c'est au verset 11. C'est là-bas qu'il n'y a plus d'interdiction. Et Dieu maintenant il descend au chapitre 2, au chapitre 11, il dit mesure le temple. Tu vas connaître la longueur du temple, la largeur du temple. Donc c'est la hauteur, la profondeur, la descente. Tout l'amour de Dieu. Que par la grâce de Dieu, par le serviteur Clément, vous avez donné cette dimension. Amen, amen. Et c'est là la connaissance de tout ce qui est Dieu. Le temple de Dieu, oh, c'est le corps. Dites amen. Toute la plénitude de Dieu, les gens vont avoir ça quand l'église serait en train de prophétiser à nouveau. Amen. Alors Jésus, il a fini, il n'a pas pouvoir terminer, donc il est fini. On a déjà duré. Il a dit on arrive en 45 minutes, 45 minutes. Et il pense qu'il est déjà dépassé. Hein? Regardez un peu. Jésus marchait sur l'eau. Jésus semblait dépasser le bateau. Il y a des pensées que je ne vais pas dire ici dans l'autre publication, j'ai fait sortir ça encore. Amen. Et que nous sommes en train de faire un autre là aussi. Mais le temps ne nous permet pas. Même le pasteur Isaïe, tu as remarqué ce qu'il devait dire dans la taupe des soeurs. Peut-être qu'il y a un autre message, il pourra encore répondre certaines choses dedans pour vous aider encore. Amen, amen. 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 Donc Jésus sentait dépasser le sang. Ça semblait qu'il dépassait le bateau. Amen. Or, le bateau, c'est lui-même qui les a obligés à monter des temps. Comme Jésus t'a obligé de rentrer dans le message. Maintenant, lui-même, il vient en dehors du bateau. Et il les voit et puis semblait les dépasser. Lui, il s'en va à destination. Amen. Depuis vous traînez cela, le vent contraire. C'est la folie. Qui a appelé Dieu? Amen. Comment il cria comme si ton vieux fantôme? C'est Dieu qui est obligé de se présenter, sinon lui il partait. C'est juste d'abord ton bruit. Non, Banan m'a révélé, il n'a pas révélé. Non, Banan fait ceci, il n'a pas fait ceci. Non, un enlèvement a eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Jésus vient.
Il a la domination sur la parole. Comme au commencement, amen. Jésus marche. On dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Lui, il ne s'enfonce pas. Toi, tu vas te noyer dans la parole. Jésus ne te noie pas. Dis ta main. Sa propre parole à lui domine ça. Ça représentait l'eau que lui-même, il est déchiré, puis il marche. Là, les autres sont en danger dessus. Paul a voulu, Pierre a voulu faire, il a commencé à s'enfoncer. Maintenant, Jésus dit, ok, moi, il doit partir. Maintenant, quand il a fini de faire l'expérience avec Pierre, ils veulent le faire monter dans leur bateau. Ils veulent le faire croire, les faire croire leur citation. Non, écoutons les bandes, faites ceci, Jésus venait avec son inspiration. La Bible dit qu'il pressait Jésus à monter, mais Jésus n'est pas monté. N'est pas monté à eux. Dans le bateau même qui les a mis, il n'est pas monté. Et aussitôt, au moment où il pressait Jésus à monter, la Bible dit que le bateau arrivait au bois en même temps. Amen. Dites amen. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop. La Bible dit que le bateau apporta là où il devait partir. Au moment où il pressait Jésus, Jésus monte. Puis c'est Jésus qui ne va pas monter. Il a déjà la solution pour arriver. Ça fait depuis 18 ans, ils ont pris le bateau. Jésus a commencé à venir à la 4e, il les a rattrapés. Amen. Donc, il va à la vitesse du bain. Il est dans une inspiration qui va très vite. Amen. Il ne peut pas emprunter vos bateaux là. Donc quand ils ont commencé à entrer dans la dimension de Jésus, on va voyager ensemble. 6 places que ceux qui les ont pris 6 kilomètres à parcourir. 6 places, la Bible me dit aussitôt, à l'instant, le bateau est arrivé là où il devait partir. Au moins, on a passé, on est arrivé. Jésus, comment tu as fait? Ils ont eu peur de lui, ils ont dit, mais ça, c'est le fils, si c'est pas le fils de Dieu, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors la domination sur la parole, et ce que Dieu te demande, vient différemment de tout le monde, mais tu as la solution. On parle de monter dans leur bateau, ils n'ont pas de solution. Mais hey, ils n'ont qu'à te regarder, ils n'ont qu'à tenir ta main. Tu vas les faire arriver. Si ta main. Amen. Amen, amen. C'est comme un son qu'il avait fait, il a fini par le songe. Amen, amen. Glory. Amen. Le songe est que j'ai dit, je voulais pour aller au ciel. Amen. Et puis arrivé un moment, j'ai commencé à parler de ça aux gens. Que je vole. Et les gens aussi croyaient, parce qu'ils me voyaient voler aussi. Amen. Et arrivé un temps, je voulais faire une expérience devant tout le monde. Donc tout le monde m'attendait aussi de faire l'expérience. Amen. Je suis parti au milieu de la route. Il y avait une moto à ma droite et puis une voiture à ma gauche. Amen. Et pensez, c'est les positions. Une moto à ma droite, une voiture à ma gauche. Et j'ai tenu les deux engins. J'ai mis ma main sur la voiture et ma notre main droite sur la moto. Amen. Et je devais monter avec eux au ciel. Et comme je me faisais confiance, que je l'ai pris de monter, donc il est fait. Les gens aussi me font confiance. Ceux aussi qui étaient dans le vécu me font confiance aussi. Amen. Donc je suis là. Cette fois-ci, je me concentre, mais ça ne va pas. Je me concentre quand on monte à une petite dimension. Amen. Et puis on redescend. Jusqu'on arrive à un feu rouge, on s'est arrêté. Le feu est devenu vert. On a continué. Tout le chemin, j'étais là à essayer. Ce que je faisais, je n'arrivais pas à faire là. C'est juste, amen, amen. Amen. Et au bout de la route, je me suis retrouvé seul, sans les engins qui étaient là. Et j'ai vu quelqu'un, j'ai vu son intérieur. Et cette personne, c'était comme si c'était moi. Amen. Et l'intérieur était chargé de schémas. Et les schémas-là étaient ce que Dieu utilisait en lui. Et dans ce sens, c'est comme si cette personne avait ça représentait les capacités. Amen. Et ça représentait comme si la personne avait beaucoup de capacités. Amen. Et tu dis, tu vois tout ce que j'ai mis en lui là. C'est moi j'ai mis ça. Amen. C'est moi j'utilise. Amen. Et que ça reste un peu. Et puis c'est fini. Donc c'est comme ça. Amen. J'ai vu et puis je me suis réveillé. Amen. Alors, c'est avant-hier, j'écoutais les bandes que j'ai, et puis c'est revenu, et puis j'ai eu une autre compréhension. Amen. Est-ce que les véhicules qui étaient là, comme je vous avais dit dans l'autre, c'est des ministères. Amen. Dans les ministères, les grands ministères, les petits ministères, moto et puis voiture. Amen.
Mais c'est comme si je veux leur faire monter avant que le schéma soit terminé. Hein? On doit aller au ciel. C'est l'enlèvement. Amen. Ça peut être l'enlèvement. Donc habituellement, j'arrive de monter et je descends. Mais cette fois-ci maintenant, c'est pour partir avec le ministère. C'est pas pour partir seul. Alors, au bout du chemin, Dieu me dit, ça reste un peu. Amen. C'est comme si tant que ce n'est pas fini, tu ne peux pas encore faire ce que tu fais là. C'est moi mon programme. C'est moi, j'ai mis ça dans l'homme. Tant que ce n'est pas fini le schéma, l'aboutissement que toi tu penses faire maintenant, ça ne peut pas arriver. Amen. Tu as beau tâcher qu'on va partir, tant que si j'ai dit c'est en 2024, ce n'est pas arrivé, on ne va pas partir. Amen. C'est un exemple. Tout ce que je dois descendre dans l'église, si ce n'est pas terminé, quelles que soient tes capacités, tu ne peux pas partir, parce que c'est Dieu qui le fait. C'est juste, amen. Amen. Alors, on va te tenir debout. Je n'ai pas touché vraiment beaucoup de choses, mais on est déjà dans les empreintes. Amen. Tu as laissé tes empreintes dans les sphères. Amen. Amen. Le pasteur Isaïe a prêché ici tes empreintes, là, tu dois payer le prix de ça. Oui. Amen. Les parents qui ont donné leur test, informe et puis vide. Amen. Elle avait un comportement neutre. On savait que c'était une fille qui était célibataire. Amen. Mais depuis que tu es entré dans sa vie, tu as marqué tes empreintes. Elle a une autre personnalité. Les parents ne reconnaissent plus leur fille. Leur fille qui adorait fétiche, ils n'adorent plus. Leur fille qui va pendant les fêtes, elle ne fait plus. Leur fille qui portait les habits qu'ils connaissaient. Maintenant, les habits ont changé. Amen. Beaucoup de choses ont changé, tes empreintes sont sur elles. Amen. Cadeau, tu dois payer le prix. C'est ça le pasteur Isaïe a prêché. Amen, amen. Cette année 2022, ceux qui sont en concubinage doivent terminer ça. Amen. Si tu ne vas pas manger à la maison que tu as cotisé, il faut commencer maintenant. Amen. Amen. Alors tes empreintes, tu fais quoi dans le message que tu es entré? Pendant m'a laissé beaucoup d'espace vide, où Dieu même l'a empêché d'arriver. Dieu a dit, ferme ta bouche, parce que d'autres allaient venir parler. Amen. De toute façon, on adore aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on adorait avant. Amen. C'est quelqu'un qui est venu qui a envoyé cette adoration. C'est juste, amen. Amen, amen. Quand l'église a commencé, de toute façon, on paie, c'est pas comme ça qu'on paie avant. C'est quelqu'un qui a envoyé ça. Amen. Il a laissé son empreinte dans l'église. De toute façon, on doit adorer. De toute façon, on doit danser. De toute façon, on doit jubiler. Empreinte sur empreinte. Empreinte sur empreinte. Si Pierre vient et puis il regarde l'église qu'il a commencé, il va voir que même son empreinte est effacée. Il ne voit plus. Amen. Comme si Moïse venait, il voit l'église. Et dans ce qu'ils étaient, l'Égypte, il va dire, mais c'est pas comme ça que mon peuple était. Parce que lui est effacé. Il a laissé ses empreintes. Ça marque, ça marque, ça marque. Alors toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Tu es musicien, tu es pianiste, tu es prédicateur, tu es un diacre. Ce que tu fais, tu dois marquer tes empreintes. J'ai vu tel diacre. Je pense qu'il vient de telle vie. Amen. Voici ce qu'il fait. Amen. C'est très bon. J'aimerais que mon diacre aussi fasse la même chose. Amen. Et un jour, tu ne t'en rends pas compte que c'est toi qui as envoyé cette empreinte-là dans le message. Amen. Alors, tu vas fermer les yeux. Amen. Si cette année est une année que tu dois marquer le message. Dans ta manière de t'habiller le ciel, tu dois marquer le message. Amen. C'est pas une affaire de longue robe ou de longue jupe. C'est pas une affaire de coiffure longue ou de coiffure courte. Amen. Mais quand tu vas te tenir au milieu des soeurs dans les conventions, amen, dans les églises, glory, comment tu marques ta propre église? Amen. Comment tu marques, ce que tu vas marquer, si tu vas marquer ça à dehors. Habillement là, tu ne peux plus marquer ça. Pendant ma descendue, ça fait longtemps que les gens portent les longues robes et les longues jupes. Mais on a l'impression qu'on a des problèmes avec les femmes qui portent les longues robes et les longues jupes. Elles sont beaucoup impolies. En public, ton mari t'appelle
et puis tu réponds. Un pasteur là et puis il remarque ça. L'ancien là, il est pas soumise. Un jour, il est ancien. Et on était là dans une convention, j'ai vu une soeur dans une telle position. Mais dès que son mari a dit tant, elle a s'est soumise en même temps, c'est pas une question d'habillement. Il va dire, j'ai discerné l'esprit en même temps qu'elle l'a. Et tu vas influencer ton église, ton entourage, parce que les pasteurs vont te prendre pour prêcher. Alors à tous les niveaux de ta vie, tu dois marquer une empreinte. Dans le message, tu dois marquer tes empreintes. Quand on va aller à une rencontre, c'est un quartier spécial. Il faut donner. Marque tes empreintes. Dans tous les programmes de Dieu, tu dois marquer tes empreintes. Les gens doivent rentrer à la maison, en plus des prédications et des adorations, ton empreinte aussi est dedans. Et un jour, quelqu'un va dire, je veux chanter comme telle sœur. J'ai été à telle veillée, à telle convention, mais c'est son cantique spécial qui m'a marqué dans toute la convention. Tu es trop neutre là, tu es déjà dans une distance qui est déjà parcourue. Ou bien tu es sans empreinte. Tu n'as pas vu quelqu'un sur la terre qui est né, il n'y a pas empreinte. C'est ta personnalité. Et cette personnalité doit marquer comme qui est exceptionnelle. Si tu remarques que tous les soeurs sont impolis, tu vas dire que moi j'ai l'empreinte de la politesse. Prions ensemble. Père, tu nous envoies un message avec des espaces à marquer des empreintes. Seigneur, cette année 2022, donne-nous à marquer notre temps. Gédéon a marqué son temps. Petit ministère qu'il avait, il est le seul homme que Dieu a dit, et paix de Gédéon, et paix de l'Éternel et de Gédéon. Après lui, il n'y a pas quelqu'un que son nom a été associé à Dieu comme cela. Il n'y en a pas. Le petit Gédéon, de sa famille, n'était pas le plus riche. Il était le plus petit même de sa famille. Mais il a marqué l'histoire du monde, de la rédemption jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire, et paix des Gédéons, et paix des Éphésiens. Regarde l'histoire des gens de Dieu. Zorobabel a marqué son temps. Jusqu'à la pierre de fer qui doit descendre encore, même dans des Zorobabel dedans. Qui est une grande montagne? Simplement aller reconstruire le temple. Zorobabel a marqué l'histoire. Quand la pierre de fer descend, c'est la reconstruction du temple, c'est Zorobabel qui est dessus. Toutes les sœurs au temps de Jésus, elles ont marqué l'histoire du monde. Toutes les sœurs, elles ont fait quelque chose d'exceptionnel. Elles ont mis leur empreinte sur l'histoire de Jésus. Jésus partait évangéliser Samarie. Mais la femme tsunami, samaritaine, elle a dévancé Jésus pour aller évangéliser pour lui. Au moment où Jésus va arriver, tout Samarie était déjà créé. Aujourd'hui, Samarie, tu vois sa grande délivrance que Philippe est parti faire à cette femme-là. C'est elle qui a été la débutante du réveil de Samarie. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Aucune empreinte. Comme tu n'as même pas d'empreinte. Mais cette année 2022, Dieu te dit, avant que tu vas quitter la terre, il ne faut pas marquer le monde dénominationnel. Il ne faut pas marquer le monde païen. Il faut marquer le monde religieux. Pour marquer le message, la plus haute spiritualité du monde, c'est là-bas pour mettre ta marque.
de l'éternel. Car le temps de la paix, nous devons marquer cette terre. Nous marquer le monde religieux par nos emprunts. Nous devons marquer ce monde par des emprunts. Car la sagesse est ici. Par un tenu de croire dans ce temps de la paix, ta promesse et l'enlèvement et l'adoption. Nous croyons que Dieu est tout puissant d'envoyer un serviteur. Que nous puissions croire en lui pour être enlevé, pour être adopté. Bénissons le nom de l'éternel Dieu tout puissant. Car il est vivant, il est glorieux. Il est là à chaque